Je crois au débat quand il est mené de bonne foi et quand il vise à trouver des solutions communes. En première comme en nouvelle lecture, la commission des affaires sociales a examiné le texte et les amendements loyalement. Les débats ont eu lieu et le projet de loi a été adopté dans son intégralité. Cependant, alors que la nouvelle lecture devait commencer en séance, près de 700 amendements ont été déposés, en plus de ceux adoptés en commission. Nous ne pouvons pas perpétuellement rejouer des débats qui ont été tranchés. Nous le pouvons d'autant moins que cela menacerait le calendrier prévu pour l'examen du texte et les délais constitutionnels que nous devons respecter. Or, nous avons besoin de cette troisième partie du projet de loi pour financer notre modèle social, pour offrir des moyens à notre système de soins, pour venir en aide aux plus précaires, pour donner corps à notre politique d'autonomie. Aussi, mesdames et messieurs les députés, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la troisième partie du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023.